AL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 106 687. RL Location Automobile. La location en toute simplicité. Voilà, au Tourbeur News, nous sommes en plein carnaval dans les rues de Basse-Terre. Le carnaval qui a démarré avec ce défilé ce lundi matin c'est une tradition que les marchands défilent. Il y a quelques minutes, ces marchands ont participé à une messe au niveau de la cathédrale de Basse-Terre. Et puis maintenant, elles défilent dans les rues principales, les artères de la ville de Basse-Terre. Je vous propose de regarder les quelques images tournées ici pour vous. Thank you.
Avec nous, monsieur Marie, qu'on connaît bien ici à Basse-Terre, qui assiste à ce défilé des marchandes. C'est une grande tradition, ce marché de Basse-Terre, ce défilé. Oui, c'est une grande tradition. C'est en fait une sorte de prélude au défilé du Mardi Gras, mais avec des groupes qui ont tendance à être de plus en plus discrets, mais des groupes traditionnels, tels les masques de Vieux-Fort, avec leur costume et leur façon de danser qui leur est spécifique, et puis le défilé des marchandes. Voilà, nous sommes dans la vraie tradition carnavalesque, d'antan. Ensuite, le modernisme va nous rattraper demain lors de la grande parade du Mardi Gras, avec ces estrades qui sont à la disposition du public. Et il ne faut pas oublier que demain, nous avons quand même un bateau de croisière qui arrive ici. Et ne pas oublier que j'ai commencé à faire ces arrivées de bateaux de croisière en 1993 avec la compagnie Holland American Line, avec cet immense bateau qui s'appelait le Satin Dam. C'est le plus gros d'ailleurs. Et depuis, on a reçu tous les autres, le Président Dam, le Vin Dam. Maintenant, c'est les Siboun. Siboun Odyssée pendant 3 ans. Et cette année, c'est Siboun Ovation. Voilà. Voilà le député de Guadeloupe et Nicalifer aussi qui se trouve au sein de ce défilé traditionnel à Basse-Terre. C'est un défilé que vous ne ratez jamais, monsieur Califer. Ben jamais, jamais, depuis des années, depuis du temps, les marchands même qui organisaient, monsieur Létain, ensuite Guy Georges, les maires de Basse-Terre, ils ont l'occasion pour nous de lancer ce défilé-là. Et à l'époque, il y avait le défilé du lycée le matin avant. Ensuite, on embrayait avec les défilés marchandes. Et à la messe, c'est une manière aussi pour... Parce que le carnaval, c'était quoi? C'était la fête de la chair, la fête du vivant. Et le vivant, ce sont les marchands, les agriculteurs qui produisent tout cela. Il y a la messe, la bénédiction. Après, on entre dans le carnaval même. Donc, avec le maire de Basse-Terre, avec mon bilan moi aussi du conseil départemental, nous sommes avec la population. On voit beaucoup de jeunes, c'est aussi quelque chose d'important d'intégrer des jeunes, ou c'est de se défiler, madame, peut-être. Et vous avez vu, même les tout-petits sont là, parce que ce sont les générations qui montent, et comme le temps passe vite, il est important que les petits aussi s'intègrent, les balisiers, tous les groupes. Et vraiment une félicitation au groupe de l'Uber qui réalise aussi un exploit avec un jeune à la tête qui aime Gauthier. Donc c'est ça. Nous à Basse-Terre, c'est la fête des marchands. Après Tapit, c'est la fête des cuisinières. Je pense que ce sont deux incontournables du tourisme guadeloupéen. Mais chaque année, en tout cas, avec le défilé Basse-Terre de marchandes. Et comment vous trouvez la manifestation? Mais c'est très bien. Il faut continuer pour les aimer. Parce que c'est une grande fête. Absolument. En tout cas, Maurice, ça me fait plaisir de te voir parmi nous. Je me souviens de 2010, où là aussi, à Saint-Malo, on animait donc Saint-Malo dans le cadre de la Route du Rhum. Tu étais encore là, tu fais un travail fabuleux. Et te voilà parmi nous à Basse-Terre, dans le cadre de ce défilé des marchandes. Alors, c'est une vraie tradition. Comment ça se passe pour cette édition 2023? C'est une édition extraordinaire. Je crois que la pandémie, là, ces 2 ans où nous n'avons pas eu de défilé,
ça se ressent aujourd'hui. On voit l'effervescence autour de ce défilé et c'est pas fini. Nous avons ce défilé nocturne ce soir et enfin l'apothéose demain mardi. Pour avoir fait le tour des groupes, je puis vous dire que nous allons avoir vraiment une édition extraordinaire. Et j'invite donc toute la Guadeloupe à venir voir ça demain mardi dans les rues de Basse-Terre. Alors, vous êtes partie de la fédération de ce carnaval, un carnaval qui a beaucoup évolué ces dernières années. D'année en année, ce carnaval évolue. Il y a de l'émulation entre les groupes et ça explique la beauté, la créativité, en tout cas tout ce que l'on peut voir au niveau des costumes, des chorégraphies, de la musique. C'est, notre carnaval est vraiment de très, 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 très haut niveau. Alors, une toute dernière question, j'ai vu beaucoup de jeunes au sein de cette association, là, de se défiler des marchands, c'est important. Absolument. Alors, le comité UNIDEP 3000 qui est présidé par Joanne Gauthier, qui est lui aussi président du groupe Volcan, qui est jeune et qui a autour de lui des jeunes. Et j'ai décidé de l'accompagner et d'assurer donc cette communication parce que ça lui fait beaucoup. Parce qu'à la fois, ce comité de carnaval, l'UBERC 3000, qui chapeaute toutes les manifestations carnavalesques de Basse-Terre, mais là aussi son groupe. Donc il vient de nous quitter pour aller justement s'occuper, car ce soir il est dans les rues, défilant avec son groupe. Toujours au sein de ce défilé ici à Basse-Terre avec énormément de personnes et beaucoup de couleurs. Hein, vous le voyez là, je n'ai pas besoin de vous décrire grâce à Max Darlis, on peut tout voir. Alors, madame, vous avez été une marchande ici à Basse-Terre? Oui. Pendant combien d'années? Oh, moi pendant 10 ans. Oui, peut-être même plus. Et chaque année, vous participez à cette manifestation? Même si je ne suis plus marchande, mais je participe. Ah. Je viens toujours, je ne rate pas ça du tout. Alors, là, on est quelque part, vous étiez situé toujours à la même place à l'époque. Oui, on était à la même place, mais après, quand on n'avait plus de place, moi, j'étais là-bas. Ouais. Ouais, et quand il n'y avait plus de place, je me suis mis dehors. Je me suis mis à l'entrée ouais, là-bas. Et auparavant, ils disent que les marchands avaient leurs propres clients qui venaient. Ah oui, 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 parce que quand je venais à 1h du matin, il y avait déjà du monde qui m'attendait. Les revendeurs étaient déjà présents. Alors, vous étiez, il y avait tous les légumes, les épices? Oui, il y avait haricots verts, tomates, laitues, concombres, choux, poivrons. J'avais un peu de tout, persil. Cive, plein de choses. En tout cas, vous êtes ravissante. Vous faites partie d'une association? Oui. Laquelle? La prévoyance de Baïf et Crédignan de vieux habitants. De vieux habitants. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de passer un bon défilé des marchands, en tout cas. Il fait beau ici en Guadeloupe et c'est très important pour ces personnes. Il y a beaucoup de couleurs, vous voyez bien, au niveau des chapeaux, madras, tout est sorti. Là, vous avez pris du temps ce matin pour vous préparer. Ah ben oui, hein, parce que je me suis levé tôt pour ne pas rater la voiture qui devrait nous ramener à Baïf et pour être à l'heure.
dernier mot, monsieur le maire, je vous ai vu faire le tour avec ces marchands. Alors, qu'en peut-on dire de cette édition 2023, de ce défilé des marchands ici à Basse-Terre? J'ai fait un peu le tour avec tous les groupes. Il y a des groupes, comme vous savez, qui viennent de tout le sud de la Basse-Terre, de toute la Guadeloupe, Bouillante, Baïf, la Grande Terre. Donc, on peut les saluer parce que voilà, ils sont à Basse-Terre. S'assurer qu'ils sont bien accueillis. Basse-Terre est une ville accueillante parce que c'est grâce à tous ces groupes qu'il y a carnaval. Sinon, il n'y a pas de carnaval. Donc, il faut savoir à un moment aller saluer toutes ces équipes qui font un gros travail. Nous avons eu l'occasion avec le conseil municipal d'aller saluer l'ensemble des groupes de tout le sud Basse-Terre, notamment de Basse-Terre, 13 groupes de carnaval. On ne devine pas le travail qu'il y a derrière. Le travail qu'il y a, les couturiers, les artistes, faire les chars, c'est un énorme chantier. On devine, mais je pense qu'on ne devine pas vraiment tant qu'on ne va pas le voir sur le terrain. C'est un chantier extraordinaire en amont pour permettre d'avoir cette prestation. Les rues étaient rayonnantes de couleurs et grâce à ce soleil merveilleux que nous avons ici à Basse-Terre aussi aujourd'hui. Tout à fait, à un moment il y a eu ce soleil qui est arrivé là, vous savez, quand on était du côté du cours de Nivos devant la mairie aussi, et puis avec les costumes, on a l'impression qu'il y a eu comme si les costumes s'étaient mis à briller, comme si c'était éclairé, en fait c'était le jeu du soleil, c'était extraordinaire. Voilà, et les qualifiers qui fait à présent le tour de ces marchands sur le marché de Basse-Terre, je vous l'ai dit, beaucoup de couleurs, et puis cette chance d'avoir un soleil magnifique ici en Guadeloupe pour ce défilé traditionnel. Un moment bien vécu, les qualifiers. Oui, un moment bien vécu, avec de belles beautés autour de nous, devant nous, et de beaux décors aussi. En même temps, c'est une manière pour nous d'être avec celles et ceux qui travaillent pour la production du pays, la production du terroir, et sous les auspices, on va dire, divines de Dieu, quoi. Il faut quand même qu'il y ait une autorité qui soit avec nous pour aider ce pays-là. Et c'est une tradition pour nous, ce carnaval-là. Et moi, j'aime bien passer saluer nos aînés qui nous font l'amitié d'être avec nous. Car sans les marchands, sans les associations culturelles, il n'y a pas de lundi quoi, Basse-Terre. Voilà, vous êtes pas, faites partie de l'association, vous êtes marchande vous-même? Ah non, pas du tout. Association KMG et puis on est dans les quadrilles. Okay. Voilà. Alors, comment vous avez vécu ce moment ici à Basse-Terre? Eh ben, très bien, c'est pas la première fois, c'est très bien et puis on s'amuse, il faut vivre. C'est un grand moment. Merci et bon défilé. Bonne journée. Merci. Ouais, j'ai pris une photo de vous tout à l'heure là, sur le bateau.